Aussi c'est petit Lifer avec le coup de son d'herbe sur The Dragon Neverwinter. Pas mal du tout, mais... Ah, oh, il est viable, on va être gentil. Beaucoup d'unités, mais je dois bien... Quelle bonne nouvelle.
Nos frères disparus pourront enfin être enterrés comme il se doit. Merci. Puis Storm et Ilmater veillez sur vous, toujours. Faut que je pète du Brutus, de la Brutus, Brutus. Est-ce que t'es Brutus? Brutus, Brutus, une Brutus. Gentiment. Elles aiment faire des foncées. Bah, on skie. Arrête d'explorer. Ça pète de tous les côtés, ça explose de toute la fin. Oh yeah! Je vous ai vu passer à l'action. Vous êtes impressionnant. Ça faisait longtemps que je n'avais rien vu d'aussi intéressant en étant de garde. Cette bannière. Les créatures pestiférées que nous affrontions étaient féroces. Mais leur manque d'organisation nous donnait un léger avantage. Aujourd'hui, cet avantage a été perdu, car quand nous avons lancé notre dernière attaque contre eux, nous avons découvert qu'elles se battaient maintenant sous le contrôle de Trokar le pyromane. Trokar est un puissant magicien qui a suffisamment de jugeote pour contrôler et mener une foule de créatures au combat. Nos éclaireurs ont découvert qu'ils se cachent dans les ruines un peu plus au nord. 30% de dégâts pour contrer l'avancée de ces pestiférés, nous devons l'éliminer. Sur les 30 PV. Qui présente Simone, elle est vraiment méga bonne. Et c'est ma mère. Oh yeah. Ta mère est vraiment trop sexy quand elle bouge sur boule boule. Oh ouais. On veut de la bière, on veut des femmes. Mais que Dieu, qu'est-ce qu'on a fait, bon Dieu, pour se retrouver avec des nains, avec des soutiens-gorge en bourré. Mon Dieu, on veut des elfes avec des gros nichons qui ont des fesses tellement sexy. Oh yeah, à mort les nains de jardin, nous on veut des elfes avec des gros nichons qui fragolent en soutif. Oh yeah. Oh, j'ai fini de faire un montage. Et ça, quand je parle d'un montage, j'ai bien de republier toutes mes vidéos de la journée. Que ça l'aide tellement. Hier, je me suis inscrit pour lancer dans les filets. Bah, je dis, je peux pas. Hop là, ne flin pas, puis, oh, c'est la dèche. On esquive.
a complètement qui brine ça dessus. Ça me va. Ouais, c'est tout ça, la statue. Pour la flamme bleue, il faut vraiment que je remette à River Rave. Les squelettes vicieux. Maintenant, ils sont vicieux, ces squelettes. Là, c'est le boss. Mais c'est un chaud. Oh, si. Il va prendre le masque. Flamme bleue, c'est ce qui a pas viré. Putain, c'est ça. Quoi le foutre à l'autre lion.
Mon foyer est perdu. La lutte contre les créatures. Bien joué. Une aberration. Nous avons une équipe plus loin dans le gouffre qui protège un sorcier elfe nommé Quarton. Ce dernier étudie la mâche peste. Il dit avoir compris une partie de la vraie nature du gouffre et demande de l'aider. Quarton a créé et maintient des portails magiques qui nous permettent de nous déplacer dans le gouffre. Ses recherches sont essentielles à notre mission. Suivez la route qui descend jusqu'au fort précipice. Vous arriverez au premier portail. Activez-le, et il vous amènera sur une terre flottante où vous pourrez trouver Quarton. Quarton. Les préférés des muses de la terre. Salce Ricolo. Les énergies de la mâche peste ont... Bienvenue, mon ami. J'ai besoin d'une... Votre réputation vous précède, mon ami, même ici-bas. Je crois que...
Je suis tellement chanceuse. Oh, c'est vous. Je suis contente de vous voir. Après l'incident de la tour peste, nous sommes venus avec Joseph rejoindre la brigade des Scarifiés. La vie est difficile ici. Mais au moins notre propre peuple... Je ne tarderai pas. Si vous allez dans l'ancien quartier des Arcanistes, peut-être pourriez-vous me venir en aide. Il y a un petit cimetière où des magiciens reposaient en paix. Mais aujourd'hui, les morts se sont... Qu'est-ce qu'il a encore d'autre ?
peut être un merde.